15 minutes info. Nouvelle Tribobabo sur toute actualité à l'étichette. Mardi 17 août 2021, bonsoir tout le monde, bienvenue dans 15 minutes info sur T-shirt Balakay, mais quelques points qui fait essentiel journal là pour jeudi. Tempête tropicale Grace a quitté graduellement pays d'Haïti pour diriger l'île Jamaïque à plus passer 216 km sud-ouest ville Jérémy, selon prévision unité hydrométologique pays d'Haïti. Direction protection civile levée alerte vigilance rouge a été décrétée sur tout pays. Ministère environnement engagé pour renforcer résilience ville, région et communauté dans l'idée pour permettre yo pi bien faire face à phénomène changement climatique là, inondation et période sécheresse parmi plusieurs autres. Améliorer écosystème pays d'Haïti fait partie gros priorité moment selon ministre James Kade. Ministère commerce et industrie lance une mise en garde bay tout le monde qui a servi avec tremblement de 14 août là pour augmenter prix produits sur marché local là. Loi 20 décembre 1946 la condamné toute action imbattable avec marché noir sur territoire national là selon ministre Ricardé Séchon. C'est tout ça yo ak l'autre encore qui parle fait essentiel journal là redonche n'a tourné tout suite. Minute info. Nouvelle Tribobabo sur toute actualité à l'étichette. Jean nous a annoncé le grand titre. Tempête tropicale Grace a quitté graduellement pays d'Haïti pour diriger le sous Jamaïque. L'a déplacé à plus passé 216 km sud-ouest ville Jérémy, selon prévision unité hydrométologique pays d'Haïti. Direction protection civile mandé population été vigilant par rapport à la pluie qui capable toujours continuer tomber sous différents départements yo. Levé alerte vigilance rouge était décrété sous tout pays. Ministère environnement engagé pour renforcer résilience ville, région et communauté dans l'idée pour permettre yo pi bien faire face à phénomène changement climatique là, inondation et période sécheresse parmi plusieurs autres. Améliorer écosystème pays d'Haïti fait partie gros priorité moment selon ministre James Kade, qui salue décision Premier ministre là Ariel Henry pour bien coordonner aide humanitaire qui rentre dans pays là pour accompagner victimes yo. On suit un extrait. Ministère de l'environnement encourage engagé pour lui renforcer résilience ville yo communauté yo face à phénomène changement climatique là. C'est un plus gros engagement ministère de l'environnement prend et à côté aléa climatique yo que nous ka parler de inondation, de période de sécheresse, de toute l'autre aléa qui gagne sous climat, mais nous gros catastrophe naturelle qui vient qui pas aléa climatique qui c'est tremblement de terre. Ministère de l'environnement doit faire face avec tout et l'en fait face avec ça qui arrivait comme tremblement de terre là depuis juste ça arrivé ministère de l'environnement était présent il était convoqué par PM là il était accompagné tout le membre gouvernement pour nous aller renforcer Kounan qui c'est structure qui chargée qui pour répondre avec urgence qui gagnait au niveau national et hier encore PM là bay ministère de l'environnement yon l'autre engagement à travers ministre qui c'est moi-même pour que nous al coordonner département Gardance nous répondre à l'appel quand qu'on appelé nous répondre à l'appel quand qu'on Moïse tout l'autre que nous connaît dans la Bible qui te dit Seigneur me voici envoie-moi c'est comme ça nous dit pays mais nous comme ministre PM voyez nous pour aller et nous pour aller nous compter sur population nous compter sur gouvernement parce que PM ba nous toute garantie avec strict minimum la bande tout accompagnement qui gagne. Nous pour aller avec quatre ministères là et avec d'autres ministères, d'autres représentations ministérielles qui gagnent dans le département côté nous pour aller là. Nous pour aller tout parce que nous connaissons nous une population qui est résiliente, une population qui est forte, une population qui a campé. Me rappelle me des partenaires qui te dit moi au lendemain le match où t'est passé, il dit que le pas qu'à comprendre qui ont peuple résilient comme ça. Moi connais doit couler dans genou. Moi connais ça fait nous mal en pile même gens ça fait nous mal en pile dans le gouvernement mais on seul bagaille bon Dieu bonne force avec courage détermination conviction capacité pour nous camper debout faut que nous debout faut que l'environnement debout faut que nous avancer deuxième bagaille que nous engager pour nous faire c'est restaurer écosystème nous yo ça veut dire tout ça qui formé qui établit
rapport, relation qui gagne entre tout être vivant avec l'environnement, avec la nature. Là. Que ce soit qui ça qui en bas de l'eau, qui l'en met, que ce soit ça nous joue sous terre, il faut que nous travaillions pour nous restaurer l'écosystème qui est vraiment dégradé. Nous gagnons un pile d'initiatives dans ce sens en termes de renforcement écosystème. Nous gagnons des organes en dans le ministère de l'Environnement qui travaillent pour ça. Que ce soit direction biodiversité, que ce soit des projets, nous gagnons par exemple l'an Akin sur renforcement résilience. Mais nous plein d'actions que nous voulons faire, mais nous avons besoin de résultats. Yon l'autre bord, ministère commerce et industrie lance une mise en garde by tout le monde qui a servi à tremblement de terre 14 août là pour augmenter prix produit sous marché local là. Loi 20 décembre 1946 la condamné toute action imbattable ak marché noir sur territoire national là selon ministre Ricardin Saint-Jean. Pendant que n'a pour sympathie nous bay tout monde généralement quelconque qui est victime ou qui est touché par tremblement de terre accompagné de cyclone que nous avons eu dans le sud là. Pour le département sud, NIP et Grandens. Nous voyons un mot de sympathie particulièrement à tout commerçant, à tout entrepreneur qui est victime, puisque nous, comme ministère du commerce, nous sommes interlocuteurs directs. Parallèlement, le ministère du commerce a voyé une mise en garde. Bah, tout entrepreneur, tout commerçant qui a profité de situation désastreuse que nous connaissons pour profiter de monter prix produit. Nous avons rappelé que la loi du 20 décembre 1946 l'a condamné ou bien l'a interdit. Dossier marché noir, puisque le roi ça dit clairement si des entrepreneurs, des commerçants entrent dans la spéculation illicite, ils ont joué une sanction qui arrive jusqu'à 6 ans de prison, ils ont joué une amende qui arrive jusqu'à 100 000 gouttes et ils ont même saisi licencié dans certains cas. Nous avons rappelé que le ministère du commerce, pendant que nous sommes partenaires, n'a pas assuré à ce que tout ça dit dans la loi pour protéger les consommateurs parallèlement, il fait. Le ministère du commerce n'a pas rechigné dans ce sens et le ministère du commerce a agi avec dernière rigueur en fonction de sa loi, nous sommes mentionnés à l'édit. Fédération haïtienne Petit et Moyen Entreprise a mobilisé pour porter secours aux victimes tremblement de 14 août là dans le grand site pays. Institut a déjà recevoir plusieurs matériels avec l'autre ressource bon côté supporter Lio dans cadre solidarité ça selon président Li Marie-Annette Mézil Lérisson qui encourageait l'autre partenaire pour te coller. Nous baissons bien bas devant cadavre tout compatriote nous qui disparaît dans occasion catastrophe tragique 14 d'août 2021 qui affectait le département Nip. Sin à Grandens. Nous voyons ce parti, nous, par les familles, les amis, toutes les victimes. Nous tous connaissons, je dis, comment la crise politique a affaibli l'État. Toutes les institutions nous ont dégradé. Qui donc, l'État n'a pas gagné pour faire face à tous les dégâts matériels. Zone grand site là enregistré dans le moment ça y est. Nous-mêmes, dans FAPME, Fédération haïtienne des micro, petites et moyennes entreprises FAPME, nous croyons que ces organisations humanitaires, associations, sociétés civiles qui doivent protéger dans l'objectif pour faire solidarité à toute population grand sud là. Qui en détresse. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans FAPME, nous mobilisons toute force nous pour nous rassembler toutes ressources qui nécessaires, donc médicaments, manger, vêtements, batterie cuisine, prélats, l'eau, tol, bois,
personnes qui sont victimes après passage pour la catastrophe. Là. Nous lançons un appel par les patriotes, nous sommes Canaïtes, tant que l'autre bord de l'eau, nous pouvons coller dans l'objectif pour nous arriver à aider la population Grand Sud-là à passer votre épreuve ici. Là. Nous connaissons nous-mêmes dans la Fédération haïtienne Petite et Moyenne Entreprise, FAPME. Même les nous des axis, nous pas jamais pas participer les catastrophes naturelles qui frappent le pays d'Haïti, qui frappent le pays nous, nous pas jamais pas protéger pour nous aider toutes victimes nous. Et ceci quel que soit côté catastrophe la frappe. Nous habitués faire, nous comme faire, nous capables faire. C'est pour ça qui fait nous commencer à rassembler toutes. Ça nous gagne pour notre soutien, pour notre côté collé, pour notre solidarité avec les victimes. Haïti a pas discuté avec les partenaires internationaux pour bien coordonner l'aide humanitaire qui doit aller aux jeunes victimes tremblement 14 août là dans le grand site pays. Selon l'ambassade de Washington, Edmond Bouchit, qui précisait plusieurs rencontres déjà réalisées dans ce sens. Aide humanitaire a pas défini selon besoin yo d'après ambassadeur Edmond Bouchit qui salue solidarité plusieurs pays amis déjà manifestés en faveur peuple haïtien. En suivant yon bout dans déclaration ambassadeur nan micro Tichèze Balakay. En contact personnellement avec l'administrateur de l'USAID, ambassadeur Samantha Powers, quoi ont une conversation tout avec Premier ministre Henry qui font état des lieux à partir de visites qu'il a fait. Qui a fait un rapport de ça. Même qu'a dit dans l'ensemble, l'assistance de notre grand voisin, les à pied d'œuvre, il commençait à matérialiser. Nous avons parlé avec plusieurs organisations. Par exemple, il faut m'informer que matin, nous avons réunion avec l'OEA, l'OEA Construction, et que me demandait le secrétaire général là, samedi, le jour même de tremblement de terre là, me demandait le secrétaire général là pour le mettre en marche. Son structure qui implique une série d'organisations, tant que PARO, j'en suis dit là, OPS, qui a un BID, qui a une autre institution encore, et structure ça là pour venir après un désastre naturel dans l'État membre. Et comme on connaît l'OEA généralement, il y a une réputation en Haïti seulement impliquée dans la politique, et, mais l'OEA a tout bon l'autre aspect, tout, il y a un autre visage tout, qui s'est impliqué tout dans la question de développement ou bien question de secours, etc. Maintenant, nous avons une réunion avec eux, et nous avons présenté un tableau de la situation, et actuellement là, l'équipe là travaille pour à qui niveau. Et il y aura le porter contribution par eux parce qu'ils ont un fonds spécial pour ça. Et nous, tout simplement, travaillons avec eux pour nous barrer des directives, pour nous barrer des besoins. Et parce que nous avons barré, et le Premier ministre a demandé, et le Premier ministre a demandé, c'est surtout pour toute aide internationale là pour être faite de manière coordonnée. Parce que nous parlons aucune fête dans des autres, dans l'expérience que nous avons en 2010, côté tout le monde envahi. Et PIA avec ONG a fait un par contre ça, une a fait, l'autre a fait, tout le monde a fait même bagaille, mais nous avons souhaité cette fois-ci pour les mieux coordonner et pour tenir compte des besoins d'abord, pour ne pas venir avec des bagailles que nous n'avons pas besoin. Je pense que c'est important et c'est un message que nous passons par eux. Nous travaillons ensemble, mais besoin nous, et à partir de là, pour nous voir comment ou même organisation qui serait dans mon nom à aider avec lui ou pas. Mais l'essentiel, c'est que de pas aider Haïti, le tout le monde envahi pour toute qualité de bagaille qui parfois qui nuit même dans le gain qui était comme minimum de production nationale. Merci tout le monde qui t'a suivi sorti journal ça, nous bon rendez-vous bientôt pour une autre sortie. Bonsoir. Minutes info. Nouvelle Tribo Babo sur toute actualité la Litichesba. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables.